c'était Agam qui a sur la première de Jonathan. On a compris que non, il faut sortir de l'euro. De francs français, parce qu'il meurt pour être remplacé par l'euro. Et l'euro, il ne faut pas être aligné, il faut prendre un pari. Bon, la France a voulu le tuer pour ça. C'est très grave. Parce que c'est l'insécurité pour la France en ce moment. Parce qu'il n'aura plus la sécurité d'approvisionnement en matière première à partir de ces zones francs. Voilà, ça c'est notre. Donc, vous voyez, pendant cette période-là, on a cru qu'avec la coopération internationale, que l'Afrique ne sera pas soumise aux effets négatifs de la doctrine de la découverte des ressources naturelles. Et malheureusement pour nous, en 1957, il y a le juge Earl Warren de la Cour suprême des États-Unis qui, face à des Indiens qui ont demandé le contrôle de leur bois dans leur forêt, a dit non. Vous êtes une communauté de perte découverte par des nations européennes chrétiennes. Donc, elles sont supposées rester souveraines de vos terres. Et d'ailleurs, on peut prélever le bois sans compensation financière. Là, donc, ils ont dit, les Russes et autres, vous vous taisez. C'est une entente que toutes les nations chrétiennes, de toutes tendances confondues, sans exception, vous adhérez à la doctrine de la découverte chrétienne des ressources naturelles et vous prélevez le voie, donc vous prélevez les ressources naturelles, sans compensation financière des communautés libres. Insécurité économique totale, discrimination économique totale. On va commercialiser l'or de 102, une guerre commerciale, donc une guerre économique. Et ça, 54, c'est à peine 10 ans après la réunion de Bretton Woods et de San Francisco pour l'ingénierie internationale et que le gouvernement s'y mette. Mais c'est surtout 3 ou 4 ans avant la vague des indépendances des pays africains, comme le cas Tunisie. De Gaulle dit, si vous voulez l'indépendance, prenez là. Mais ce qui est sûr, l'entente entre les nations chrétiennes fera que les intérêts de longue taxe de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, du Portugal, de l'Allemagne un peu, de l'Italie un peu, sur les terres ou les ressources naturelles africaines, ces intérêts sont préservés par cette entente entre ces nations chrétiennes. Et le Conseil économique et social, le Conseil de sécurité, c'est une machinerie de gouvernement et d'ingénierie internationale en mode de pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Il faut aller au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies, crier dans les forums, crier, faire tout ce que vous voulez. On va vous prendre les résolutions. Moi, j'étais à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les résolutions qu'on avait fait prendre avec les États, on passait des fois 2 semaines de conférences, 300 pages. Et des fois, dans cette salle, on peut faire 3-4 jours en tant que coordinateur. On ne dort pas. On croyait à l'Afrique. On croyait à ces ministres de l'économie. Si vous êtes d'accord, vous, les salauds ministres de l'économie, on vous tue. Et on met à la place du ministre des Finances. Et la commission, c'est pour ça qu'on a dit, on te piège. Les femmes, l'alcool, et l'on piège. L'un des plus grands fils de ce continent. Il avait 4 lieutenants comme il faut. Madame Sarr qui nous dit, il ne pouvait pas être piégé par l'alcool. Il l'a humilié. Il y avait le cas standard du Cameroun, anglophone, il s'est battu, il est devenu comme un lion. Il y a Patrice Bourébé de l'Ouganda, il l'a mis à l'alcool. Et il y avait Aplanian, je suis que, on m'a fait transhumer dans les Saïva sur Yaoundé. Je les ai rendus la vie plus impossible à Yaoundé. Ils m'ont ramené à Addis Ababa, je les ai rendus la vie
impossible en Côte d'Ivoire. Et puis, on m'a amené à Niamey et j'ai continué. C'est un combat, c'est une guerre. Avec la France, c'est une guerre pour préserver leur intérêt. Après avoir échappé à la mort au Cameroun. Absolument, la famille. Mais ça, c'est, ça fait partie de la vie. Donc, nous allons maintenant venir à la phase contemporaine, c'est-à-dire la phase d'aujourd'hui. Si nous avons, on va prendre les 6. Le programme d'ajustement structurel est venu modifier un tout petit peu ce qui est sous l'entente. Ça n'est pas de compensation financière. Ils ont dit le capital terminant peut être compensé, mais d'abord les déviants, ceux qui ont dévié de l'entente, les Moudou Kita, les Sekoutoué, le Kwame Nkrumah et compagnie, on les ramène dans un cadre de référence unique et sous un programme d'ajustement structurel. Et désormais, nos États auront des entreprises, des co-entreprises, mais avec des entreprises de multinationales, des entreprises de multinationales contrôlant le capital de risque. Au moins à 80%. Donc, Usine Sokora, Sonatan, on a tous saboté, on les a vendus à un Français volé des fois, et on a. On n'est pas dans un système de fusion, acquisition, mais d'acquisition. Hostile en réalité. D'acquisition hostile. Pour rentrer dans le capitalisme, dans le vrai capitalisme. Donc, la Banque mondiale, le FMI, sont des instruments de quelque chose qui est caché. Et c'est là où c'est intéressant de dire. Les 6 dollars, les 6 francs CFA, on va venir à leur explication. Peut-être que c'est mieux que j'arrête dans ça. Puisque le mouvement du capital d'investissement est provoqué à l'extérieur de l'extérieur du Mali. C'est-à-dire que ce sont ces entreprises de multinationales qui provoquent ça. C'est être entreprise de multinationales. Je vais donner une illustration. Aramgol est une multinationale. Ramboth Resources LTD, enregistré dans un paradis fiscal en Angleterre. Mais il y a des entreprises de la multinationale Ramboth qui sont des SARL enregistrées au Mali. Et c'est l'entreprise SARL Ramboth qui plus d'État forme une société anonyme qui s'appelle Somulo, c'est-à-dire les mains de l'Ouzo. C'est une autre SARL, plus ou moins, plus le même État du Mali, qui forme une autre SARL et qui s'appelle la mine de Bingoto. Et il a créé autant, Morila. Puis après, il va en RDC, il fait la même chose. Il va au en Côte d'Ivoire, il fait la même chose. Donc, des entreprises de multinationales. Leur entreprise est enregistrée localement. Mais la multinationale est enregistrée dans le même pays. Donc, si tu prends l'or, c'est la contribution de l'or du Mali ou de. L'or produit à travers la Côte, on dit que c'est souvent, ils ont 6% du produit national brut. 6% qu'ils ont 6 francs. Combien de ces 6 francs-là va à l'entreprise de la Côte, tout en France produit, l'euro ou bien Bungoto? Et combien va à l'État du Mali? Puisque ma promotion ne peut pas être nationale. Donc ces 6-là, comment se répartir ici? Si ces 6-là est compté comme la production de richesse au Mali, donc qui fait briller le Mali sur la carte, n'est-ce pas? Oui, la ville. Est-ce que l'or brille pour les Maliens?
La réponse est non. Et pourquoi c'est le cas? Il faut le comprendre. Je vais prendre un exemple simple, terre à terre. En 2012, quand ils ont sorti le rapport annuel de 300 pages, mais qui est plus intéressant quand tu lis la version anglaise plutôt que la version française, et comme nous sommes dans une étatie intellectuelle, au Mali, on fait beaucoup de bruit, mais intellectuellement, on est dormant. On a réalisé que Ningoto avait 4,4 grammes par tonne de l'urée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun marché financier au monde qui va résister si on part demander le capital d'investissement qui va refuser notre accès au crédit d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun marché financier au monde qui va nous refuser si on a besoin d'argent pour développer cette mine, on va avoir l'argent. Donc, ça a demandé 44 milliards de francs. Les Maliens disent 44 milliards, nous n'avons pas d'argent. Bon, ils n'ont pas demandé les Maliens. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont commencé à exploiter l'or de Kumoto sans même créer la société anonyme. L'association de Gounimaya est partie à la commission mine de l'Assemblée nationale pour bloquer. Le député de Kéyéwa a dit que l'or de Gounimaya, ce sont des Américains. Il dit, bon, d'accord, ça ne sera plus député, il n'a pas été député. Cliquez, hein, si vous voulez voir son nom. Il n'a pas été député. On n'est pas fait de la commande, il dit que c'est vrai. Donc, nous, on travaille, et ça, on travaille. Il dit, si vous voulez être député, la prochaine fois, vous ne voulez pas se faire. Effectivement, il n'a pas été député. Bon, ça, c'est. Mais ce n'est pas une victoire pour laquelle on se. Mais, il savait qu'il pouvait faire ça au Mali parce qu'ils disent que les Maliens sont des chiens. Ils leur lancent l'os, ils le prennent. Et c'est pour récupérer sur nos dividendes. Quelle est l'implication? Rangoul a le contrôle de la mine, de la coentreprise, Lulo ou la coentreprise, Ngoto. L'État n'est plus significatif dans la chaîne de production. La production. Au transport, au raffinage, vous avez son nom. Et ça avance sur le marché financier mondial. Le Mali n'est pas là. C'est compris? Le Mali sort. Et le Mali ne pouvait pas faire 4 milliards. Et pour fermer, pour nous battre, au moment où le débat avait lieu à l'Assemblée nationale, avec une structure comme le président par intérim, et on a été le voir pour lui dire voilà, il ne faut pas qu'elle fasse cette loi pour la création de la société. Mais malheureusement, on nous a battu de justesse. À 23h, on était encore en train de regarder les petits papillons de circuler. L'argent s'avance. Et on a peur. Mais on n'a pas perdu la bataille. On n'a pas perdu la guerre. Non, on n'a pas perdu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont eu 72 milliards à la première année d'opération, mais pas opération de la société anonyme, d'une société dissimulée, d'une société qui n'existait pas, d'une société illégale. Parce que ça n'a pas passé par l'Assemblée nationale. Donc, finalement, ils ont dit, les 40 milliards que nous avons pris pour développer, on a pris avec nous-mêmes, on se rembourse. Donc, il restait 32 milliards, 500 millions. Le Mali venait de tomber avec le coup d'État. Ils ont dit, on calcule, 80% de 32 milliards, 500 millions.
c'est 26 milliards. Bon, nous retournons 26 milliards. Et Tina Koulibaly, on l'appelle à Kenyeva, il vient avec le chèque de 6 500 millions, il soulève ça, et vous, les Maliens, vous étiez contents. On vous a dissimulé la réalité de 72 milliards. Par 6 500 millions qu'on vous a donné. Et depuis 2012, la mine a payé, le capital, a remboursé le capital de Mississippi. La mine est dirigée par Rangol. Et cette année, ils ont dépassé le cap de 20 tonnes. Mais la richesse produite, vous avez compris maintenant, les 6 là. Si c'est dans les 6 ici, ça veut dire que sur 32 milliards, 500 millions, vous n'avez que 6,5 milliards. Le problème, c'est de savoir, est-ce que la production déclarée est la production derrière. Notre ami Aboakano Traoré est là, l'ambassadeur. Il a reconnu que s'il mourait aujourd'hui et que ses enfants apprennent, et ses grands, ses petits-enfants apprennent que la crise est mise, ils vont avoir honte. Et il a avoué, et c'est très courageux, il a avoué que le Mali au départ n'a pas accès à la production. On ne connaît pas la production. Et quand il y a la production même, il y a d'autres substances qui viennent avec. L'argent. Allez, vous voyez. Platine. Platine. Diamant. Fer. Fer. Mais il paraît que c'est la platine qui est le plus important. L'argent. Mais comme la convention c'est sur l'or, donc on ne déclare pas la platine. Il paraît que. Ce n'est pas loin de l'or. L'or est vers 1200 montres de la glace. La platine, d'après notre expert civique de Marina Gould, la platine est de l'ordre de 900 de la platine. Ça, c'est pas. C'est bon. Oui, je pense que, allons-y méthodiquement, pour que les gens comprennent vraiment les relations sous-jacentes. Parce qu'avec ça, maintenant, le reste, là, ça va être autrement. Donc, ici, j'essaie de réfléchir de comment la pédagogie peut marcher pour décomplexer l'économie. Parce que c'est ce qui nous tue.